le début, c'est ridicule. Bon, on arrête, on va le réussir. Un grand moment. C'est con, des années de répète. C'était fait exprès. Mais oui. On a tellement répété. Flora, merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait tellement plaisir. Tu es en quelque sorte la petite tarte citron meringuée de ce plateau. C'est-à-dire que sous la meringue se cache un petit caractère acidulé. Je crois qu'il faut vraiment que j'arrête d'écrire mes textes quand j'ai faim. Faut que je trouve des auteurs. Ouais, ils sont en train de se voir un petit peu. Non, alors je parlais de nourriture parce que je voulais savoir, toi, ton rapport à la cuisine, c'est quoi? Est-ce que t'es plutôt master chef? Est-ce que t'es plutôt master carne? Tu commandes en fait. J'adore manger. J'adore manger. Vraiment, je crois que c'est ma principale passion, c'est manger. Mais tu cuisines? Donc, je cuisine. Ah! Je te demandais tout ça, Flora, parce que parfois, quand tu prépares ta ratatouille, même sans avoir un chauve hystéro qui te hurle dessus, eh ben, ça peut quand même très vite se transformer en cauchemar en cuisine. Quand tes parents expliquaient à tes filles que le préservatif, c'est plus intelligent que l'avortement, c'est pas évident. La tête, elle est dégoûtée. On connaissait les poupées russes, là c'est les poulets russes. Les poulets russes. Allez hop, deux végétariennes de plus. Voici la technique la plus rapide du monde pour se mettre un foulard. Vous allez voir, c'est efficace. Tiens, les voilà. Et pour les champignons, tu demanderas à ta maman. Quand t'as toujours hésité entre un CAP cuisine et un CAP coiffure, bah voilà le résultat. Ses yeux. En même temps, moi, je l'avais déjà vu faire des crêpes avec un fer à lisser. J'avoue, j'avais trouvé ça un peu chelou. Non, mais allô, quoi. Tu te fais coiffer, t'as même pas de mixeur.